Révérend Bishop, MC Claveur. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. La montagne qui se dresse devant toi est la montagne de ton influence. Beaucoup d'hommes, alors que Dieu vous a donné le pouvoir qui vous remplit de foi et d'honneur, qui détruit le statut d'influence. C'est ça qui va t'amener à comprendre ton statut. Le pouvoir que Dieu t'a donné, afin que tu verrais ta destinée. Je t'ai créé, afin que tu tournes. Aujourd'hui, nous allons voir la patience de patienter. Parce que le problème dans l'église, est-ce que les enfants de Dieu sont impatients? C'est ça le problème. Et quand tu es impatient, tu te comportes comme un enfant. Et beaucoup de gens, dans l'église en général, n'arrivent pas à suivre Christ. Parce qu'ils sont des enfants spirituels, ils sont des bébés spirituels. Quand quelqu'un n'est pas patient, c'est-à-dire qu'il montre qu'il n'est pas mature. C'est les enfants qui sont impatients, qui veulent tout, tout de suite et maintenant. Quand un enfant te demande quelque chose, si dans les secondes tu ne lui as pas donné, tu vas entendre le bruit dans la maison. Les pleurs. Les pleurs. Tant qu'il n'a pas eu, il ne te laisse pas tranquille. Mais un grand, si on lui promet quelque chose, il attend patiemment que la chose arrive. Et j'ai vu que beaucoup d'enfants dans ce ministère sont partis parce qu'ils n'avaient pas la marque de la maturité sur eux, c'est-à-dire la patience. Et ils font partie de la catégorie des personnes. Quand ils viennent dans une église, ils viennent pour un but. Ce n'est pas pour Dieu véritablement, c'est pour un but. S'ils ont eu, ils sont partis. S'ils n'ont pas eu aussi parce que ça tape, ils sont partis. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est ceux qui viennent pour une saison. Allez, ils viennent, mais ils vont faire 3 ans, 4 ans, et c'est toujours comme ça, ils tournent. Et puis après, ils disparaissent. Puis la troisième catégorie, c'est ceux qui viennent pour la vie. Eux, quand ils viennent, ils ont trouvé leur endroit. Pour eux, c'est leur cercle familial. Amen. C'est pour eux, c'est leur tout. Et dès qu'ils sont là, c'est jusqu'à ce que la mort les sépare. Même s'ils iront travailler à X, à Y et tout, mais leur racine, leur cœur est toujours à la maison mère, à la base. Amen. Et ils travaillent, ils œuvrent toujours par rapport
à la mission et au ministère de leur papa. Même s'ils sont quelque part au Groenland, au Canada, en Allemagne, mais ils sont focalisés. Amen. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble par rapport à la parole de Dieu ce que Dieu a à nous dire concernant la patience. La patience. Oh, dis à quelqu'un la patience. Dis, Saint-Esprit, donne-moi la patience. La patience, nous tous, on la recherche. Nous-mêmes, là, les hommes, là, on est des gros impatients. Ah, il faut qu'on prie. Les hommes, imposez vos mains sur vos têtes. Dieu donne-nous la sagesse d'être patient. Si tu veux savoir si un homme est patient, là, envoie-le avec sa femme au marché. Tu vas voir le caractère de ce dernier-là, tout de suite. Ah, tu ne peux pas faire vite, là. C'est quoi, tu es à cause de toi, on est en train de perdre le temps ici, des heures. Ah, chérie, si tu ne voulais pas m'accompagner, il fallait rester à la maison. C'est pour me parler comme ça. Moi, je ne peux pas faire les choses, frère. Bah, la femme a besoin de prendre son temps. De comparer les prix, d'aller, de revenir, de voir, de recalculer, de gratter sa tête. Même si c'est peu cher, peut-être la qualité est meilleure. Et dit, bon, malgré les deux, voyons voir s'il n'y a pas un troisième coin où on peut. Et toi, tu es là. Dans la voiture, tu es, on n'aime pas ça. Tout simplement parce que nous ne sommes pas patients. Si tu veux cultiver ta patience, toi qui es marié, accompagne ta femme, fais des courses au marché. Et chaque fois que tu t'énerveras pendant que tu es avec elle, c'est que tu n'es pas encore patient. Tu demanderas au Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à descendre mon cœur. Aide-moi à être patient. Aide-moi à jouer le chauffeur. N'est-ce pas, Aimé? Hein? La patience est la marque des grands. C'est pourquoi nous devons, en tant que chrétiens, apprendre à être patients. Dans le monde, ne dit-on pas que la patience est un chemin d'or. Même le monde a son proverbe. La patience est un chemin d'or. Parce que tous ceux qui ont su apprendre, ils ont appris à patienter. Ils ont toujours réussi dans la vie. Et avec Dieu, apprendre à patienter. Pourquoi? Parce que la patience, c'est une histoire de temps. Alors que Dieu est hors du temps. Dieu est hors du temps. Toi, tu te fatigues. Toi, tu vas dire, mais ça dure. Ça dure. Tu regardes ta montre. Ça dure. Et là, faut faire vite. Ça tue. Ta bénédiction doit venir. Ça tue. Ça fait depuis combien d'années là, je suis dans l'église, je ne suis pas marié. Ça tue. Dieu aussi. C'est pas que ménopause est en train d'arriver. Tu crois que Dieu ne connaît pas? C'est pas lui qui t'a fabriqué. Toi, tu veux apprendre à Dieu comment tu es constitué? À Dieu aussi. Il me voit, je suis en train de vieillir là. Il ne sait pas que ménopause est en train d'arriver. Il attend quoi pour me donner mon mari? C'est Dieu qui t'a fabriqué. Amen. C'est lui qui peut retarder ta ménopause jusqu'à 70 ans. C'est lui Dieu, s'il veut. S'il veut jusqu'à 100 ans, lui Dieu, il peut retarder spécialement pour toi, pour te montrer qu'il est Dieu. Amen. L'horloge du temps. La Bible ne dit-elle pas que un jour égale à 1000 ans devant Dieu et que 1000 ans égale à un jour? Est-ce que vous avez un peu réfléchi à ça? Pour Dieu, un jour, c'est égal à 1000 ans. C'est-à-dire que quand sur la terre, 1000 ans se sont écoulés, pour Dieu, ça fait un seul jour.
Voilà, tu as bien compris maintenant. Dans leur vie. Et d'autres
qui ne les applique pas. Et la loi ne peut pas produire. Frère, on dit, what goes around comes around. Les Américains disent ça. Ce que tu lances en l'air finit toujours par retomber. C'est une loi. Ça, c'est la loi de la pesanteur. Il y a la loi d'Archimède aussi. Tout corps que tu plonges dans l'eau, si le poids ou la masse est chaude, tu ressors. Mais tu prends un bout de fer, tu mets dans l'eau, boum, il coule. Ce sont des lois. Et dans la Bible, il y a des mêmes lois spirituelles qui régissent la vie de l'homme. Qui régissent le royaume spirituel. C'est pourquoi Dieu maintenant nous dit, soyons comme des arbres, plantés près d'un courant d'eau. L'eau là, c'est la parole, c'est la Bible. Et au fur et à mesure qu'on se nourrit, qu'est-ce qui va se produire? On va donner des fruits en une saison. Mais écoutez-moi bien, la saison là, elle ne vient pas du tac au tac. Quand on parle de saison, on parle de temps. Ici au Burkina, nous avons deux saisons. La saison des pluies est finie. Nous sommes dans une autre saison. Mais depuis que la saison des pluies est finie, est-ce que vous voyez le Burkina Faso lamenter? Pluie est finie. Il n'y en aura plus de pluie. Pourquoi on ne pleure pas? Parce qu'on sait que la saison des pluies revient. Il revient. C'est une saison, il y a un temps. Il y a un temps. C'est parce que tu le sais que tu ne pleures pas. Mais si tu ne le savais pas, tu allais pleurer. Crier, gémir, te lamenter. Ouah! La pluie a arrêté, il n'y a plus de pluie. Mais pourquoi tu patientes? Même quand il fait chaud, au mois de mars, qui se plaît? Oui, il fait chaud, mais on a l'espoir que quoi? Que dans quelques mois, les pluies vont venir. Mais pourquoi pour le spirituel, on n'arrive pas à comprendre le principe des saisons dans la vie d'un homme? Il y a un ciel. Quand on dit c'est ta saison arrive. Il y a quelque chose qui est pour toi. Mais c'est-à-dire tu traverses le temps. Et par rapport à la bénédiction que Dieu va te donner. Ça dit aussi, chaque bénédiction, ce n'est pas pareil. Ça dit, tu vois, tu peux planter des arachides. Les arachides ne poussent pas à la même vitesse que le riz. Le riz ne pousse pas à la même vitesse que le maïs. Les bananes plantées, les noix de coco. Qu'est-ce que je veux dire quoi? Il y a par exemple des plantations où tu es obligé d'attendre 3 ans avant que ça produise. Par contre, il y a des arachides, c'est même pas 3 mois. 1 mois et demi, ça a poussé. Mais le prix de l'arachide et du cacao, c'est pas pareil. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, donc, il y a des grandes bénédictions. Quand elles doivent venir dans votre vie, il faut qu'elles prennent le temps de se préparer, de bien mûrir pour arriver. Parce que quand ces bénédictions arrivent, elles vous donnent une satisfaction pas possible. Mais il y a des petites bénédictions aussi qui poussent rapidement. Mais ça aussi, ça n'a pas la véritable valeur. Ce sont des bonbons spirituels. Tu prends ça, c'est juste 2 jours, 3 jours. Et puis après encore, tu es un peu découragé. Mais oui, soyons honnêtes. On est là, on dit oui, Dieu m'a béni d'une moto. Oh, alléluia. Alléluia, Dieu. Ok. Donc bien, c'est vrai. Oh, Dieu m'a béni. C'est vrai qu'il faut rendre gloire à Dieu pour même les petites choses et tout. Mais on fout de vous-même. Après 3 mois d'utilisation, elle ne vous procure plus la même joie qu'au départ. Le plaisir de la moto est parti. Le plaisir de la voiture est parti. Tu sais quelque chose? Au mois de novembre, on parlait que de ça à la maison. Ah, chérie, tu es bon, tu es mignon. Tu m'as pris une voiture. Maintenant que madame est habituée à la voiture,
faut passer à autre chose, les gars. La joie de la voiture a disparu. Ce qui procurait les bons petits plats. Les petits je t'aime. Donc il faut changer de voiture. Il faut faire une plus grosse. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Romains 15, 4. Je vais lire ma version. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, c'est-à-dire l'Ancien Testament, l'a été écrit pour une raison, pour un but bien précis. Pour quand on lise les Écritures, que nous ne soyons pas tristes, que nous ne soyons pas préoccupés, pour nous éviter de murmurer, Dieu a permis, sinon l'Ancien Testament là, ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne là, sont les Épîtres. Acte, la transition jusqu'à Apocalypse. À partir de Romains, c'est ce qui est véritablement important pour nous. Tout ce que les apôtres ont enseigné, c'est pour, après, quand les Juifs, la loi c'était pour les Juifs, la Torah là, c'était pour les Juifs. Dans le Nouveau Testament là, c'est pour les évangéliques, c'est pour le monde, les disciples qu'on va évangéliser. Souvent, on reste trop dans l'Ancien Testament. Mais la Bible nous dit, ces choses ont été écrites d'avance pour notre instruction. C'est pour nous instruire sur qui est Dieu. Comment Dieu agit. Qu'est-ce que Dieu a fait. Quand nous lisons l'histoire de Moïse, d'Élie, Joseph, et tous ces grands de la Bible, Dieu nous enseigne. Il dit, vous voyez, vous aussi, vous avez ces problèmes. Vous êtes rejeté, mais regardez ce que j'ai fait avec un enfant rejeté, comme j'ai fait. Sentez faible, mais regardez ce que j'ai fait avec Gédéon. Faites attention aux femmes, parce que regardez comment Samson a terminé. Vous comprenez? Donc quand on lit l'Ancien Testament nous instruit. C'est un livre d'histoire qui nous montre la gloire de notre Dieu. Comment Dieu a travaillé, a marché avec son peuple. Comment il a suscité ce peuple à partir d'un homme appelé Abraham. Comment il a conçu le monde? Comment il a sauvé le monde au travers des eaux par Noé? Comment il s'est choisi un peuple par Abraham, le père de la foi? Ensuite, comment il a sorti la nation juive? Et puis, comment de la nation juive, il s'est tourné vers les gentils? Il s'est tourné vers le monde pour sauver le monde. Alléluia! Donc quand nous lisons ça, nous nous instruisons. C'est un livre d'histoire. Et nous comprenons alors mieux le sacrifice de Christ à la croix. Nous avons le courage. Nous utilisons cela pour vous communiquer comment Christ fonctionne. Comment il marche.
Et quand on vous communique cela, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, il a fait ça pour notre instrument, afin que par la persévérance, par la persévérance, dis à ton frère, sois persévérant. Le problème dans l'église, c'est que les enfants de Dieu ne sont pas persévérants. Dès qu'on secoue le diable, vous secouez un peu, vous tremblez comme des bébés. Arrêtez, vraiment, je vais vous dire la vérité ce matin. Vous êtes trop vieux pour être des bébés spirituels. Regardez-vous. Vous êtes des bébés avec la barbe, des moustaches, des rastas, tout. Des femmes, vous êtes bien en forme de tous les côtés. Puis vous êtes des bébés spirituels. Vous êtes là, vous avez des enfants vous-même, mais vous êtes plus petits même que vos enfants. Vos enfants même ont plus de foi que vous. Le moindre truc seulement. Trop d'émotions. Tel type m'a frustré dans l'église. Je ne viens plus à l'église. Telle personne m'a mal parlé. Je ne viens plus à l'église. Le pasteur ne m'a pas salué. Je ne viens plus à l'église. Sa femme m'a mal regardé. Je ne viens plus à l'église. Tel frère m'a fait ça. Je ne viens plus à l'église. Hé! Chrétien! Réveille-toi. Persévère. Ce n'est pas vos émotions qui vont changer quelque chose devant Dieu. Dieu permet tout cela là pour voir ton comportement. Dieu permet cela pour voir s'il peut t'élever ou pas. Dieu voit s'il peut envoyer ce qu'il a prévu pour toi ou pas. Ne laisse pas ton caractère détruire ce que Dieu veut faire pour toi. Vous êtes bénis de suivre ce message. Pour avoir l'intégralité en CD audio ou vidéo, contactez-nous aux adresses suivantes. Au ministère évangélique de puissance MCC6 à la Padoie, au 50 50 90 78 à la radio Jamwaga, sur la circulaire Tengsoba au 50 47 11 64. Que Dieu vous bénisse.